Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous fais un maquillage avec cette palette-là. Je vous ai déjà présenté un maquillage dans une autre vidéo, mais je l'aime vraiment beaucoup, donc je ne l'ai pas encore tout à fait testé. J'ai juste fait un make-up avec. Donc aujourd'hui, je vais en faire un autre et j'ai goût d'y aller dans le mauve, le rose et le bleu. Donc ça va être pas mal dans ces couleurs-là ici. Le bleu ici, le rose et le mauve. Bon, il va peut-être avoir des petites, mais en gros, ça va être dans ces couleurs-là. Ensuite, je vais voir un peu où je m'en vais, si je rajoute autre chose. Et voilà. Donc, c'est ça. On débute cette petite vidéo, les filles. Ça vous tente? J'étais un peu déçue. Parce que j'ai pas lavé de pinceau. J'ai pas grand-chose pour faire des make-up. En espérant que j'aille pas trop de misère. Parce que tous mes pinceaux sont sales. Donc, voilà. Je vais commencer par mettre, comme d'habitude, ma petite base de Hard Candy. Je te fais un petit close-up. Et on... Ok, les filles. Je vais commencer avec une petite couleur nude pour le sous le sourcil. Et j'ai allé avec la couleur Peachy. Qui est ici. Qui est un nude. Un nude. Qui est mat, donc je vais mettre ça sous mon sourcil. La dernière fois, j'avais testé Lila. Et là, je vais tester lui. Il est super beau aussi, donc voilà. Et voilà. Et ensuite, je vais y aller avec la couleur mauve qui est juste ici, qui est plum. Juste ici. Et je vais mettre la couleur plum dans mon coin externe. Mais juste avant, je vais aller chercher mon petit miroir. J'ai été chercher mon miroir et je voulais dire aussi que dans la vidéo, à la fin, tu vas me voir avec une perruque. Donc, j'aime ça faire des maquillages comme ça. C'est le fun, c'est amusant. J'aime bien me déguiser. Je trouve ça toujours le cool. Et puis, c'est ça. J'ai mis les petites lentilles AliExpress Himalaya. Bleu Himalaya, c'est. Je me souviens pas trop dans quelle marque, mais. Anyway, c'est un bleu Himalaya. J'aime trop. C'est vraiment trop beau. Donc, je vais commencer par mettre cette petite chose dans mon coin externe. J'en mets un petit peu parce que c'est quand même super pigmenté, je l'ai déjà dit. C'est des fards assez, assez pigmentés, je te dirais. Donc, je vais estomper tout ça. Ça se peut que j'ai des problèmes avec ma voix, comme tu peux constater. J'ai des allergies et ça me pogne dans la gorge. Donc, pardonnez-moi si une fois de temps en temps, ma voix décide de partir et de casser par moment, comme là en ce moment. Des grosses allergies. Donc, je mets ça. Tu vois, la couleur, elle est vraiment très belle. J'aime beaucoup. Ok, les filles, j'ai fait un petit coup de crease. Voilà. Et là, j'étais en train d'appliquer la couleur Blue Light. C'est le bleu que je t'ai montré tantôt, qui est vraiment super beau. J'avais comme commencé à l'appliquer, je suis comme tombée dans la lune. J'ai oublié, je faisais une vidéo. Ça m'arrive quand je suis très concentrée. Et ce petit bleu-là est vraiment très très beau, donc je vais venir le mettre où j'ai fait mon cut crease. Et puis la couleur, elle est très belle, comme tu peux voir. C'est très beau, la couleur, elle est super pigmentée. Très jolie. Ok, les filles, j'ai fait un petit cut crease, voilà. Et là, j'étais en train d'appliquer la couleur Blue Light, c'est le bleu que je t'ai montré tantôt, qui est vraiment super beau. J'avais comme commencé à l'appliquer, je suis comme tombée dans la lune. J'ai oublié, je faisais une vidéo, ça m'arrive quand je suis très concentrée. Et ce petit bleu-là est vraiment très très beau, donc je vais venir le mettre où j'ai fait mon cut crease. Et puis la couleur, elle est très belle, comme tu peux voir. C'est très beau, la couleur, elle est super pigmentée. Très jolie. Voilà les filles, là on va faire le teint. Je vais faire ça en accéléré, en musique, tout calmement. Et puis on se revoit, je pense qu'on va se revenir, on va se voir à la fin quand le maquillage va être fini. Puis après ça, je reviendrai avec la perruque et tout le kit.
J'ai fait la bouche. J'ai fait ça avec un beau rouge à lèvres de je sais pas c'est quoi la marque. Ouda, je pense. Je pense. Je suis pas sûre de ce que je dis, là. Je vois pas tout à fait clair. Je te laisse, c'est pas vraiment important, mais la couleur est très belle. C'est un rose assez flash. Et moi, tu le vois sur mes lèvres. C'est très flash, c'est très beau. J'aime bien avec le maquillage là, je trouve que ça fait très beau. Et comme highlight, les filles, j'ai vu dans la palette, il y a un fard qui est vraiment trop beau. J'ai envie de l'utiliser comme un highlight. C'est le Spirit. Qui est ici, qui est vraiment super beau. Il est marbré un petit peu et je vais juste le mettre au doigt. Je regarde comme c'est beau. Et je vais y aller comme ça. Oh wow, j'ai bien fait. Oh wow, j'ai bien fait. Wow. C'est super beau ça. Ouais, ça c'est très beau. Je vais en mettre ici. Un peu ici. Et voilà. Hey, je te fais un zoom sur tout ça. Ensuite, je vais aller mettre la petite perruque. Je te reviens avec tout ça, là, la petite finition. Mais en attendant, je veux te montrer le maquillage des yeux, le teint, la bouche. J'aime vraiment trop. Et voilà, les filles, le look final. J'aime vraiment trop avec la perruque. Ça flash. C'est beau. J'aime vraiment ça. J'espère que ça te plaît. Et la palette là. Oh! Elle est trop merveilleuse. Elle est trop merveilleuse, cette palette-là. Si tu la vois chez Winners, saute dessus. Elle est vraiment super belle. Les couleurs sont vraiment super pigmentées. Ça se travaille super bien. Tu as 28 fards pour 7,99$. C'est vraiment pas cher. C'est vraiment une belle palette. J'ai fait deux looks jusqu'à maintenant avec et j'en suis très satisfaite. Donc, c'est une palette que je vais toujours aimer. Je trouve que les couleurs sont super belles. Pour l'été, comme ça, je trouve ça vraiment beau. Avec le petit look comme ça, c'est très joli. Donc, voilà. Je te laisse regarder le tout de plus près. Et voilà le look d'un peu plus loin. J'aime trop, trop, trop. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, comme d'habitude. Et puis, je t'ai fait des petites photos sur Instagram. Et cette palette-là, hein? Je vais encore te le dire, c'est de la bombe pour le prix, là. C'est vraiment une très belle palette. Des belles couleurs. Quand je trouve des belles petites pépites comme ça, je trouve que c'est le fun de partager ça avec vous autres. Parce que faut pas lever le nez sur ces petites palettes-là qui sont vraiment très jolies. Donc voilà, je te laisse là-dessus. Je te fais des belles photos. Sur Instagram, et puis on se revoit dans un prochain vidéo.